Le passé n'est pas perdu. Le passé vit en nous. Les expériences de nos ancêtres sont encodées dans les hélices de notre ADN. Après 3 décennies de recherche, nos ingénieurs ont façonné la meilleure des interfaces biotechnologiques. Nous avons débloqué les vies de nos aïeux. Nous avons ouvert une fenêtre sur le passé. Pour un divertissement en immersion totale. En pressant un simple bouton, vous vivrez les moments les plus précieux de l'histoire humaine. Depuis le confort de votre domicile. Bienvenue dans Helix. Où le passé devient votre terrain de jeu. Qui va là? Un ami du temple. Floirac? Le message du conseil était formel. Tu n'es pas le bienvenu ici. Je dois parler au grand maître. Il est en séance, avec les autres. Une autre fois, peut-être. Le roi Philippe désapprouve. Va au diable. Je me demande bien pourquoi tu ne pourris pas au fond d'un cachot. Nous avons été trahis. À vos épées, messieurs. Défendez le temple. Pas toi, mon frère. J'ai une autre tâche à te confier. Viens avec moi. Le roi Philippe a agi plus vite que prévu. Quelqu'un d'autre, le maître. Le pape? Les assassins. Les assassins? Ça fait des décennies que les Khans mongols ont sapé leur pouvoir. Les assassins existaient bien avant Masyaf. Leurs illusions anarchiques sont aussi virulentes que la peste, et encore plus tenaces. Nous ne triompherons pas ce soir, mais si tu te hâtes, notre ordre peut être sauvé. Que dois-je faire? Rends-toi à la tour, prends l'épée et le livre, cache-les. Ils ne doivent pas tomber entre les mains des assassins. Grand maître, je... Va! Je dois trouver un autre chemin.
La tour! Ils sont entrés dans la tour! Ils sont pris! Oh! Clément, entends-moi! Avant que l'année ne soit écoulée, tu répondras de tes crimes devant le Seigneur Tout-Puissant! Et toi, roi Philippe, même le plus abominable des châtiments ne saurait effacer les maux que tu as infligés au Temple! Je vous maudis! Soyez maudits jusqu'à la 13e génération de votre sang! Soyez tous damnés! Ainsi prit fin l'ère de la sagesse, consumée par les flammes de la faim et de la colère. Les chevaliers du Temple, les fiers gardiens ancestraux de la paix, de l'ordre et de la sagesse, venaient-ils de s'éteindre. Ouais, on va lancer un mouchard. Au moindre signe d'Abstergo, sors-moi de là. C'est bon. J'ai un visuel. Hey, salut! Tu dois trouver ça déstabilisant, alors écoute bien. Je m'appelle Bishop. Bon, c'est pas mon vrai nom, mais t'as pas besoin d'en savoir plus. Écoute bien ce que je vais te dire. Abstergo se sert de toi. Il pirate tes neurones dans le but de fouiller des mémoires génétiques. Cette organisation a déjà pris le contrôle d'un grand nombre de sociétés. Des gouvernements, des médias et des ONG. Mais maintenant, ils ont décidé de s'approprier l'histoire. C'est vraiment flippant, je sais. Mais notre mission est de les arrêter. Et on a besoin de ton aide.
Digon, charge la séquence génétique AD16, B13, I87. Je te prépare ça. La semaine dernière, on a piraté une banque de mémoire non séquencée sur les serveurs Helix d'Abstergo. Pour le moment, on aimerait te faire explorer une partie de la vie, que tu comprennes un peu mieux le combat qu'on mène. Après ça, tu pourras choisir pour quel camp tu veux te battre. C'est à toi de voir. Arnaud. Ne puis-je pas venir avec vous, père ? Courage, mon garçon. Tu vas m'attendre ici. Et je reviendrai quand cette aiguille sera en haut. Ce sera très long. Moins long que tu ne crois. Et à mon retour, nous irons voir le feu d'artifice. Et Arnaud ? Pas d'exploration, compris ? Oui, père. Voleur, remets ça en place. Ah, je te tiens. Arrête-toi tout de suite! Vite, par ici! Tu as vu leur tête quand on a volé ces pommes? Je m'appelle Arnaud. Elise. Je suis venue avec mon père. Moi aussi. Il a une affaire importante avec le roi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Chut ! Écoute. Ne t'en fais pas, ils ne penseront jamais à nous chercher ici. C'est de ma faute ! C'est moi qui ai pris ces pommes ! Viens, on va voir où ils vont ! Cette affaire ne ternira pas l'image que vous vous faites de notre pays. Si nous jugions les nations à l'aune des actes de leurs criminels, nous mériterions d'être traités de barbares. Viens ici, tout de suite. Père ?
Viens, mon garçon. Arnaud. Arnaud. Regarde-moi. Gagner sans tricher, alors il faut que tu voles, maudit chien! Du calme, Victor, je suis juste venu pour ma montre. C'est ma montre! Je l'ai gagnée à l'honnête! Quel serait ton avis si on vivait dans un monde honnête, Victor, mais ce n'est pas le cas. On est en France. Je vais te tuer! Oh, fais attention à toi, tu vas te faire mal! J'étais justement en train de discuter avec ton frère. Hugo, va chercher la marée chaussée. Eh, pas si vite. Diable. Je tiens, Victor. Qu'est-ce que... Pardon. Pardon, madame. Hors de mon chemin. Laissez-moi passer. Allons, messieurs. Nous trouvons bien un moyen de nous entendre. Pardonnez-lui, il n'est pas civilisé. Un crétin de forgeron dans ton genre ne sait même pas lire l'heure. Répète un peu si tu l'oses. Non. Reviens par ici. Au voleur. Au pari de nuit. Vous êtes toujours là? Moi, je vous attends. Se cacherait-il? Où maintenant? Je n'ai plus qu'à deviner. Qu'il va se rompre le cou. C'est une tradition du passé. Pour l'amour de Dieu, mais où donc étais-tu? Ah! On tient enfin, espèce de salarin! Ce n'est qu'un léger malentendu. Il n'y a pas... Est-ce que votre maître sait qu'il héberge un brigand? Il est entré chez moi en plein jour, et il m'a volé ma montre. Oh, vraiment? Eh bien, je suis sûr que la marée chaussée sera ravie d'éclaircir cette affaire. Quelle affaire, Olivier? Une accusation très grave contre votre pupille, messire. Il m'a volé! Et qu'a-t-il pu te prendre? Attends-moi dans la bibliothèque. Ne me regarde pas comme ça. Victor triche quand il joue au pharaon, tout le monde le sait. Arnaud, à qui parles-tu? À personne, monsieur. Tu seras ravi d'apprendre que j'ai convaincu Olivier de ne pas appeler la marée chaussée. Une nouvelle fois. Je vous remercie, monsieur. C'était quoi?
La sixième fois, la septième, il serait préférable de changer de passe-temps. Mais jouer aux cartes me donne l'occasion de prendre l'air et de faire de l'exercice. Nous en reparlerons plus tard. J'ai affaire en ville et je dois aller chercher Elise avant de partir. Elise est ici ? Seulement pour cette nuit. Elle retourne à Paris demain matin. Il lui faudra une escorte, c'est certain, et vous avez fort à faire. Je n'ai pas envie que tu lui donnes de mauvaises idées. Reste ici et vois si Olivier a besoin de toi. Le contraire m'étonnerait. Plaît-il ? Présentez mes hommages à Elise. Que m'en disent